Bonjour et bienvenue pour cette 30e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, nous allons complètement au sud de l'océan Pacifique, sous la Nouvelle-Zélande, jusqu'à ce tout petit point-là, l'île Antipode, une toute petite île inhabitée de 21 km². Le désir d'un sosie caché qui vivrait à l'autre extrémité de la Terre, tête bêche, les pieds opposés aux nôtres, enchaînés par la pesanteur au même globe que nous. Nos antipodes habitent la même longitude, mais la latitude opposée. Leurs saisons sont l'inverse des nôtres, leurs horaires décalés. Nos antipodes ont leurs étés quand nous avons l'hiver. Il est minuit chez eux, quand il est midi chez nous. Mais ici, sur l'île Antipode, il n'y a pas d'humains. Seuls quelques otaries et quelques pingouins à aigrettes multicolores flânent entre les rochers. Ce pays-ci est situé presque exactement à l'opposé du méridien de Greenwich, calcule le capitaine Henry Waterhouse quand il découvre ces îles en se rendant de Port Jackson en Angleterre. Un lieu en miroir, se dit-il, un minuscule sosie des îles britanniques. Londres, sa ville natale, est aussi éloignée d'ici que le pôle nord du pôle sud, quelle que soit la route qu'on emprunte. Il ne pourrait être plus loin du centre du monde. L'Angleterre et ce lieu sont situés aux deux extrémités d'un même diamètre d'une ligne imaginaire qui passerait par le centre de la Terre. Mais ses attentes sont déçues. Sa patrie a un tout autre air. Ce pays-ci est montagneux, dépourvu d'arbres, son climat froid, venteux, rude. Il manque la douceur qu'apporte le Gulf Stream. Les bovins d'importation périssent sans tambour ni trompette dans la broussaille de la steppe austère. Et l'écho perdu des vagues brisées se meurt dans les grottes de la côte déchiquetée. À demain.